Amis téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes bien contents de rejoindre encore aujourd'hui dans l'espace côté nous venons traiter avec vous des sujets de droit, puisque l'espace est l'espace de droit sous Télé-Guinée. Dans l'espace, nous avons pour obligation pour nous chercher et joindre toute une série d'acteurs qui sont dans le système judiciaire à un titre ou à yon lot. Pour qui ça nous cherche moun sa yo, c'est pour nous capables de permettre que yo traite avec vous des questions nous supposées qui intéressent vous, des questions de droit. Avec yo, ou capable de gagner des expériences en que ou rive acquérir, qui j'en capable de faire, c'est leur suivre débat nous fait avec yo sous yon thématique en différente en chaque semaine. Chaque fois, l'important pour nous traiter une thématique, puisque nous avons la science infuse, nous avons le monopole savoir, nous avons pas tout le bagaille, eh bien, nous cherchons des gens qui ont une spécialité dans telle ou telle autre branche, ou qui ont tel type de service en donnée, la baille, une compétence dans un niveau ou dans l'autre, eh bien, nous cherchons avec eux pour être capables de traiter des sujets importants ensemble avec eux. Le nouvel système judiciaire là, souvent, ou envie seulement juge, ou envie greffier, ou envie commissaire gouvernement. Cependant, tout système n'a le formé de yon série de acteurs qui gagnent des responsabilités, qui a fait système de marché. Parce que le nous prend chaque monde face à responsabilité par yo, c'est ça qui permet que nous parler de système judiciaire là. Je vous dis à nous faire un coup d'œil dans le barreau quoi des bouquets. Eh bien, nous avons reçu un avocat barreau, mais qui n'est pas seulement avocat barreau, mais c'est secrétaire de l'ordre barreau quoi des bouquets. Donc, c'est une autorité qui est là dans le système judiciaire. C'est avec lui que nous allons traiter la question. Nous avons parlé de maître Ted Ruby Ernest, que nous invitons aujourd'hui. Et nous avons dit maître là, bienvenue dans l'émission ça journée aujourd'hui. Merci maître Lemoine Gélin. Nous avons salué tous les téléspectateurs, téléspectatrices, téléguinais. Nous avons remercié de ce que ou ba nos possibilités pour nous venir faire petit bas de bouche sous téléguinais dans gros espace ça qui c'est espace de droit sous téléguinais. Nous à disposition pour questions yo pour débat. Merci maître Ernest. Là nous parler de vous-même et que nous arrivons à inviter journée jeudi, ça fait déjà quelques semaines et nous tape et tant d'occasions ça présenter pour nous gagner on et nous connaissons c'est un avocat militant et nous connaissons ou très présent sur terrain puisque vous prêtez service surtout à yon institution d'État, autonome de l'État. Et ou bail certainement, et compétence surtout dans plusieurs autres domaines. Eh bien, je vous dis à ma recevoir sous chapeau, secrétaire de l'ordre Barreau Kouadebouke. Premier bail pour dire nous là, comment Barreau Kouadebouke a marché, maître Ernest? Merci, maître Gélin. Et c'est une occasion qui offrir à nous-mêmes aujourd'hui pour nous parler de ta préférée dit juridiction Kouadebouke dans son entièreté et notamment de l'administration actuelle du barreau de la Kouadebouke. Maintenant, nous pas sans savoir parce que il n'est pas ton secret pour personne que suite aux élections
du 28 septembre 2018 et alors Assemblée générale, je dirais Assemblée générale qui malheureusement pas capable et fini au point que élection yo pas arrivé réaliser et parce que tu as des avocats qui t'ai gagné des griefs et que grief yo a été malheureusement pas bien comprendre par autorité que t'ai gagné dans moment yo ça t'a pral meté met dit deux groupes avocats dans situation pour t'ai empêché la finalisation de l'assemblée générale d'alors ainsi donc depuis cette date le barreau de la Croix des Bouquets t'a pral rentré dans une crise malheureusement sans merci et nous t'est passé je pourrais dire 2 ans dans crise ça mais heureusement moi dit heureusement m'bra l'expliquer pour qui raison nous pas gain mais personne l'autre monde dehors qui t'est venu rentrer dans résolution crise noire et grand pile qui t'est venu rentrer notamment la fédération des barreaux d'Haïti qui t'est souhaité que c'est lui-même qui t'est bailler le ton mais nous autres tenant compte et du caractère indépendant de chaque barreau de la République nous t'est fini par entendre nous et le 18 décembre 2020 dernier t'est une assemblée générale qui t'est réunie élection a été faite et c'est dans l'élection ça yo que nous sorti secrétaire de l'ordre du barreau de la Croix des Bouquets. Merci et pour rappel ça fait pour moi et moi voulais profiter de l'occasion ça pour moi réitérer et mes mots de sincères félicitations à vous-même et à tout membre et conseil. Moi pense que l'on parle moins de barreau de la Croix des Bouquets, on parle moins de un gros barreau qui gagnent des gens très compétents là-dedans. Est-ce que de mémoire, comme pas au gain archives non, mais est-ce que de mémoire, ou même c'est pas de manière exacte, ne serait-ce qu'approximative, est-ce que vous avez idée de nombre d'avocats inscrits au tableau de l'ordre? Et comme secrétaire de l'ordre, question à fonder. Et étant donné que pour l'instant, depuis et la publication des résultats des élections, le conseil actuel a mis la pied d'œuvre parce que, pas oublier, pendant 2 ans, nous étions dans une situation regrettable. Côté, nous pas en mesure pour nous être capables de connaître effectivement combien d'avocats qui étaient sous tableau. Mais depuis, nous finissons prendre fonction. C'est le genre de travail ça yo, que nous commençons à faire. Mais nous avons avoué pour le public là. Que nous aux environs de 400 avocats inscrits au tableau de l'ordre, y compris les transférés. Ah, correct. Et là, c'est un nombre assez important et d'avocats. Et bon, maître, pendant nous parler de Bao Croix des Bouquets, ou fait que ce dit à l'heure là, vous préférez parler de juridiction de la Croix des Bouquets, parce que c'est une grosse juridiction. Comment Baoua accompagne avocat dans l'exercice de leur profession? Merci, M. Gillet. Et je me dit à l'heure que je préfère parler de la juridiction de la Croix des Bouquets et va permettre que me faire appel ça pour le commun des mortels, téléspectateurs, téléspectatrices qui ont même peut-être capable de maîtriser le terme juridiction dans le domaine panouan. Et dans toute juridiction, et m'a rappelé que nous gain actuellement 18 juridictions dans la République là. Et chaque juridiction ça yo formé de 3 acteurs clés. C'est le parquet, le tribunal de première instance et le barreau. Yo formé ça n'ta carrelé 3 rôles du feu. Ça veut dire lorsque youn dans situation côté administration bancale, ça veut dire que juridiction a automatiquement pral senti conséquence mauvaise administration ça. Moi-même, et c'est ça qui fait,
Pendant la période et Baroukoua Debouk était dans une situation malheureuse que le TIA, c'est pendant la période ça tout juridiction Koua Debouk était qu'on est et m'a dit pour la première fois presque tout mauvais bagaille qui t'a passé la donne. Mais je dis à partir de l'arrivée du nouveau conseil de l'ordre, nous commençons à gagner des pourparlers avec de l'autre autorité au commissaire gouvernement doyen pour nous capables de mettre les points sur les i. Parce que nous estimons que Baroua, et légalement, li gen zyèl sou fonctionnement et parquet et tribunal première instance là, parce que Baroua gon mission pour rassurer que état de droit li respecté. Donc lorsque gen des violations de droits humains k'a fait en dans yon juridiction, yon nan premier acteur qui pou dénoncer et qui pou faire de sorte que yo diminue jusqu'à ce que yo disparaisse, c'est le barreau de la juridiction. Et ou prend un gros engagement la maître. Ou prend un gros engagement et moi est capable féliciter ou en mon nom propre parce que yon avocat et li gagne yon responsabilité et morale en dans société parce que c'est pas n'importe moun lié. Et ou parlez de juridiction et ou parlez de parquet ou parlez de tribunal première instance. Donc si il y a une synergie qui développée entre trois grandes entités ça yo, trois grandes institutions ça yo pour yo capable faire juste ça marcher, je pense que c'est pour le bien et de la collectivité. Mais pendant ou fait approche ou saute fait à l'heure. Et m'envie mandé où comment rapport yo yé entre Baro Koua Debouk parquet et tribunal première instance. M'a profité répondre nous et avec toute sincérité et m'a profité pour un petit temps tout pour me voyer une fière chandelle jusqu'à cette présente minute à commissaire gouvernement Koua Debouk à mettre Edler Guillaume à doyenne Grecia Norceus qui jusqu'à présent et on peut dire que yo poko de se voir Baro Koua Debouk et nous dit ça dans plusieurs occasions. Nous gagnons pendant et nous fin élu plusieurs occasions qui présentaient qui étaient nécessité et intervention rapide et direct commissaire gouvernement Koua Debouk a et bien m'a dit sincèrement parce que c'est moi qui fait expérience là dans premier appel que m'a lié li recevoir appel là et il fait le nécessaire nous par contre si bagarre la pral ta changer demain si Dieu veut mais pour l'instant nous capable dit entre le barreau le parquet et le tribunal de première instance bagala plus ou moins matché. Maître Ted Oubiernes, alors me profiter occasion pour me saluer et la doyenne Anoceus et la doyenne et le CG Edler Guillaume. Bah connais si moi bien prononcer le nom doyenne non mais parce que c'est un monde qui a fait un bon travail. Et en nous attaquer qu'on y a là volet formation na baroa à l'intention des avocats. Est-ce que Baro Koua Debouk en termes de formation, les encadrer suffisamment avocats Baro Koua Debouk et tout profiter, traiter avec moi la question d'éthique et d'éthique bien professionnelle, d'éthologie également. Merci CG. Et n'a profité pour nous dire que un point essentiel pour nous autres actuellement au niveau du barreau de la Koua Debouk, c'est ce qu'on soulevé là. C'est la formation. C'est ça qui fait. Et en dépit du fait que 19e promotion que nous avons là, que nous considérons comme dernière promotion, l'hypoco prête serment, mais yo continuer à prendre formation parce que nous-mêmes, dans le niveau conseil de l'ordre, là, nous croyons que lors dire où c'est avocat Baro Koua Debouk jodia nous voulait que gon l'autre image qui allait joindre public là yo pa gen droit wè nan yon avocat qui sorti nan Baro Koua Debouk jodia yon incompétent yon avocat avec petit a
yo pa gen droit wè nan yon avocat ki soti nan ba Okwa de Bouke, yon intellectuel entre parenthèses. C'est ça qui fait, étant donné que profession d'avocat, son profession qui nécessite en formation assidue et continue, nous faisons le devoir pour nous et promouvoir formation pour les stagiaires que nous avons, pour les postulants que nous avons, et nous continuons à faire, et nous prévoyons même et des formations pour des avocats militants, parce que nous estimons que son profession qui demande des recyclages à tout bout de champ, il y a des choses qui viennent là, je dis, il y a que avocat et qui a 10 ans, 20 ans, depuis qu'il était avocat, capable de maîtriser. Donc, nous avons nous pour mission, pour nous faire formation ça yo et pour nous permettre que avocat nous yo petite nous yo toujours à jour dans la profession d'avocat. Moi pas faire aucun commentaire sur ça parce que moi réservé moi de tout commentaire sauf que me capable soulever une interrogation est-ce que ou pral travail question d'orgueil avocat d'abord avant qu'on invite un avocat militant et qui traîne derrière lui des années d'expérience qu'on a pour venir chita devant et probablement des jeunes avocats pour la venir formation. Ou bien est-ce que c'est non et un travail d'échange que nous-mêmes nous et pour faire travailler ça. Bon, pas mal de vous répondre sauf que c'est une réserve que moi-même de formuler parce que me connais qui ça y aurait les avocats militants qui toujours à parler de nombre d'années que le gagne en profession. Maître et Ernest. Je te permets, moi, je vais vous répondre. Oui, mais bon, mais bon, je réponse. Je te permets, moi, je vais répondre. Oui. Pour que et le décret du 29 mars 1979 fait de tout conseil de l'ordre, tout conseil discipline, chef direct sur le plan disciplinaire de tout avocat faisant partie de l'ordre. Maintenant, même décret ça, prévoit la formation de la liste des avocats faisant partie du tableau de l'ordre. Si conseil-là réuni et par résolution, il prévoit que un avocat militant doit prendre tant d'heures de formation pendant l'année judiciaire-là, ou pas qu'à dire le contraire, parce que si ou pas dit, là bien des conséquences directes sur vous parce que c'est nous autres qui sommes responsables de la discipline de l'ordre et tout ça nous ouais qui a fait avocat nous yo paraître bien qui a fait avocat nous yo en mesure ou bien à même pour yo représenter dignement l'ordre des avocats de la Croix des Bouquets n'a prend décision hein? Et puisque nous autres nous t'es sorti dans l'assemblée générale qui t'es ba nous mandat si vous pas les marcher, vous regrette ça, vous avez tombé automatiquement en bas sanction conseil de l'ordre. Merci, moi pense que ça c'est un secrétaire et de l'ordre et qui a parlé de toute bonne foi et dans l'intervalle il a parlé tout d'autorité et parce que je pense que faut qu'on gagne et l'ordre et la formation continue c'est de bon temps que on pensait à rentrer dans la logique ça. Logique de la formation continue. Parce que pour les gens qui sont dans le système judiciaire, là, et les gens qui sont magistrats, et qui sont greffiers, qui sont huissiers, ils ont gagné l'école de magistrature pour prendre la formation et continue. Parce que l'école de magistrature, ils ont gagné vacation et formation initiale, ils ont gagné vacation tout et formation continue. Donc, pour qui ça, pour les avocats lui-même tout, les paprins et formation continue. Moi, je pense que m'inscris dans la logique ça et me souscris à des machins. Et Maître Ernest, pendant qu'on a parlé de discipline, moi, pas quoi m'a choqué aucun avocat bas ou quoi des bouquets, ni qui c'est tous ces amis, moi, pas quoi m'a choqué secrétaire de l'ordre là, et qui c'est petit frère, moi, eh bien, m'a demandé est-ce que ou conscient que Bao Okwa de Bouke l'était gagné à un certain moment de la durée des avocats de réputation douteuse qui ont fait malheureusement voyons mauvaise image. Qui ça nous-mêmes, je vous dis là, nous envisager pour nous
gérer et corriger bagaille ça. Et pour me répondre franchement, Maître Gélin, m'a dit que c'était une lutte acharnée que il était toujours yé dans niveau barreau quoi des bouquets contre et des avocats de réputation. Certains d'entre eux. Certains avocats de réputation douteuse. Et nous fait, nous t'ai toujours fait tout ça nous connaît pour nous empêcher que avocat ça yo même yo rentré à ce moment-là yo était postulant. Nous ka bon un exemple de un postulant que me pas besoin citer non et yo était plusieurs qui t'est venu inscrit dans barreau quoi des bouquets. Mais à ce moment-là, c'est des monde qui pas répondre effectivement à ce que dit le décret. Donc nous t'ai après recherche que nous t'ai fait dans niveau ministère éducation nationale et dans l'autre instance, nous t'ai vinn que moun sa yo pa doué vinn avocat stagiaire et sou rappel ou bien ça t'ai fait la une, t'ai gen un postulant que conseil nan moment t'ai fait arrêter dans niveau barreau quoi des bouquets parce que il t'ai gen un document li qui t'ai faux. Oui. Donc c'est pour raison ça qui fait m'ka dit que c'était toujours une lutte acharnée. Pendant m'a reconnaître que gan pile avocat qui te gen chance tout rentrer dans barreau quoi des bouquets qui pas doit rentrer c'est pas pour question papier yo document yo qui te faux mais qui pas répondre à exigence intellectuelle que conseil d'alors là te fait. Cependant certains membres du conseil d'alors malheureusement te permettre que moun sa yo té intégré barreau quoi des bouquets et c'est ça jodi à nous-mêmes n'a lutté contre lui au péril de notre vie là, que on a question morale on a question morale là exactly au péril de notre vie que nous té fait prestation pour 10 avocats mais c'est 10 avocats qui répondent à critères que décret amendé parce que nous pas quoi dans quantité nous quoi dans qualité de formation que yon moun ki dit c'est avocat ba ou quoi des bouquets recevoir et pour à même pour représenter nous dignement partout où il va passer. Moi pense que message au lancé là li à l'écoute le doit aller et me pense tout moi même qui fait ouverture là nous de bonne foi et nous pas fait pour nous attaquer personne monde pour nous éclabousser image personne monde sauf que nous pensons que profession d'avocat l'été une noble profession et à chaque fois pour nous corriger ça qui mérite corriger et c'est de droit pour nous corriger parce que nous gagnons une responsabilité l'homme dit nous gagnons responsabilité m'a parlé de ou même et comme un secrétaire de l'ordre m'a parlé de bâtonnier m'a parlé de l'autre membre qui est important yo en dans conseil là chaque monde a responsabilité pas au propre moi à pencher rapidement maître Ted Roubiernes et pour mando qui type de rapport nous-mêmes dans barreau quoi des bouquets entretenu avec la fédération des barreaux de la République bon jusqu'à cette présente minute je suis capable de dire que le barreau de la croix des bouquets et fait partie de la FBH, Fédération des barreaux d'Haïti. Et nous gain de rapport cordial avec la FBH pendant que nous toujours à veiller à ce que conformément au décret du 29 mars 79 relatif à la profession d'avocat, nous à veiller à ce que indépendance nous pas traîner crasse côté. Parce que nous autres, au niveau du barreau de la Croix des Bouquets, nous sommes sensibles pour ça et nous avons continué sensibles pour ça parce que nous reconnaissons que la profession d'avocat est une profession totalement libérale et indépendante. Donc, un avocat, un barreau qui trouve une situation côté indépendance ou menacée, à ce moment-là, ou suspend avocat ou suspend barreau. Ou gen respect pour toute instance, ou a fonctionné, ou a collaboré avec toute instance,
vu que Barreau Croix des Bouquets était reconnaître existence Fédération des Barreaux d'Haïti, nous a respecté ensemble de résolutions que nous t'a signé ensemble avec l'autre barreau. Mais nous pas d'accord grâce instance notamment la FBH rentrer n'importe comment dans les affaires internes du barreau de la Croix des Bouquets. Et ça c'est une position fermement fixée et par secrétaire de l'ordre ça qui a parlé la journée aujourd'hui. Même pense que il faut gagner une harmonie qui dégage entre et barreaux et fédération des barreaux. Et moi opter pour une bonne harmonisation entre barreaux et fédération et moi opter tout pour chaque et entité ça yo même yon respecter indépendance l'autre parce que Jean Sodia gagne une loi qui régit et le fonctionnement et premièrement la profession d'avocat qui régit tout le fonctionnement et des barreaux de la République. Moi rapidement maître Ted Oubiernes, moi envie mando yon l'autre et question mais ça il toujours été dans champ compétence mais pendant que il était dans champ compétence ou même ou qu'a choisi répondre moins qu'on y a donc qu'a choisi répondre moins après pause que on va l'annoncer là et nous gagnons chaque avocat qui a rentré yo soumettre et toute une série de pièces et yo remplit une série de formalités journée jodi a nous gagne plusieurs promotions ou pral gagne pour mandi pour dire moins et nan ki promotion nous y journée jodi a qui est ce monde de mémoire au songe que le premier bâtonnier quoi des bouquets et puis ensuite besoin dis-moi qui le combien années que nous gagnons d'existence qui le n'a fêté et un anniversaire comme ça en grande pompe qui capable permettre que nous réunir toute ancienne génération baou quoi des bouquets à nouvelle génération ça yo n'a proposé en publicité n'a pas tourné tout à l'heure avec un maître Ted Oubi Ernest, qui est secrétaire barreau de l'ordre de la Croix des Bouquets. Avec lui, n'a pas traité question qui vient avec un fonctionnement barreau. Ça. À tout à l'heure. Amis téléspectatrices, téléspectateurs, nous retournons avec en seconde partie émission avec invité nous maître Ted Oubi Ernest avec maître Ernest qui c'est secrétaire barreau de l'ordre de la Croix des Bouquets. Eh bien avec lui nous avons traité des questions qui sont sensibles sous profession d'avocat, sous fonctionnement baroua, sous comportement avocat, sous moralité, éthique, compétence, moralité, j'aime dire. Eh bien, c'est des sujets que nous-mêmes nous n'avons pas développés là, sans état d'âme. Loin de nous, l'idée pour nous t'a foissé une susceptibilité, mais nous poser question avec toute acuité et ceci de bonne foi, pour nous capable permettre un secrétaire de l'au-delà de traiter la question avec nous. Parce que responsabilité pâle, c'est veiller sur comportement chaque avocat dans la juridiction et qui composait barreau l'ordre des avocats quoi des bouquets. Eh bien, lui-même de conseil avec Batonier, il a fait un travail de titan puisque chaque avocat qui gagnait non inscrit sur tableau de l'ordre yo gagnent cabinet yo gagnent et indépendance cependant yo assujetti au respect de certaines règles de déontologie professionnelle yo assujetti
et au respect scrupuleux de certains principes. Sinon, il risquait pour tomber et sous le coup et des mesures disciplinaires et adoptées par Barou Yoa. Eh bien, c'est peut-être ça. Moins fait, secrétaire général, ça venu, secrétaire de l'ordre, pardon, venu pour être capable de traiter la question ensemble avec lui. Avant pause là, Maître Ernest, me demandez où est-ce qu'on songeait nos premiers bâtonniers quoi des bouquets? Est-ce qu'on songeait date bah où ça a crié? Est-ce qu'on songeait tout plus ou moins? Vous devez dire nous combien promotions ou bien déjà passé de mémoire sans songer au carré pour nous, Maître Ernest. Merci, Maître Jelin. Nous avons répondu rapide pour nous dire que le barreau de la Croix des Bouquets, c'est un jeune barreau. C'est un barreau qui prend naissance au cours de l'année 2007 avec la création de la juridiction de la Croix des Bouquets. Maintenant, le premier bâtonnier que barreau Croix des Bouquets a été gagné, c'est l'honorable maître et pour qui nous voyons une grosse salutation. On est qui fait un pile travail dans le niveau barreau Croix des Bouquets, c'est maître Jean-Auguste Brutus. Et non ça me cite à là, monsieur que gain des téléspectatrices, téléspectateurs qui connaît de qui personnage m'a parlé puisque le grand frère moi. C'est pas un inconnu. son homme qui est qui passé de présentation. Quelqu'un de bon commerce, oui. Ancien commissaire du gouvernement de la juridiction de Port-au-Prince, eh bien, il fut le premier bâtonnier au niveau du barreau de la Croix des Bouquets. Par la suite, nous avons rejoint M. Jacques Sépierre. Et après M. Jacques Sépierre, notre troisième bâtonnier, c'est l'honorable maître, M. Sosten Choulout, qui pour l'instant a exercé deuxième mandat que l'Assemblée avocat Croix des Bouquets au Bali. Moi profiter de l'occasion pour me voyer un gros coup de chapeau pour mettre Sosten et parce que faut que nous dit ça, c'est quelqu'un de très disponible pour les avocats de la Croix des Bouquets. Donc c'est un franc collaborateur, son est qui remet Baoa, son est qui sensible pour petite Baoa et son est cap sacrifier pour Baoa. Donc c'est ensemble de ça que nous allons répondre à la question que posez nous. Mais sous son jeto, combien de promotions qui gagnent déjà? Actuellement, nous avons 18 promotions. Intéressant. Fok nous dit que nous avons 19e qui gagnent très prochainement pour prêter serment. Mais pour l'instant, Baro Kwade Bouquet sous 18e promotion d'avocat. Maître Ernest, ou c'est secrétaire de l'ordre? Jounen jodi a la, gen sa yorele l'école du barreau dans toute juridiction yo. Côté que moun nan genyen pou li vin plus ou moins outillé li pou li prêt pour l'exercer profession. Comment l'école du barreau a fonctionné Croix des Bouquets? Son très belle question, maître Jelin. Parce que nous croyons que en dépit du fait que décret 29 mars 79 là pas obligé yon avocat passer dans l'école barreau pour intégrer yon barreau, nous te vin dans situation côté que nous te obligé mettre sous pied l'école barreau parce que nous te senti que jan formation droit a fait en Haïti a gan pile moun qui prend droit d'assaut. Donc, gon série de postulants, faut ou passer au pays fin avant même que vous gain accès à la prestation tiers. C'est ça qui fait au niveau du barreau de la Croix des Bouquets, nous pas gon l'école barreau seulement avant moun nan prêter serment comme avocat. Même lor fin prêter serment comme avocat stagiaire ou assujetti à la formation. Donc c'est obligatoire pour venir dans l'école barreau nous hein, pour former ou pour yo passer au jambes sodia au pays fin afin que nous capable joindre dans ou même véritable avocat que Baoua a cherché qui pour représenter là. Je pense que c'est un très bel travail, moi féliciter tout un conseil de l'ordre là et moi prier pour transmettre félicitations ça avec un collègue yo parce que travail ça c'est un travail de
de longue haleine, c'est un travail de conscience en professionnel. Et si chaque monde prend responsabilité par eux, en dans la société, on pensait que ça marchait. Maintenant, nous allons ouvrir le champ de débat. Nous avons momentanément quitté et Baou Kwade Bouké pour nous rentrer dans la société haïtienne, dans l'inglobo. Justice, là, j'en ai marché. Ou contre tout ce bagaille. Ou tendez, ça va passer. Et justice, là, pour nous-mêmes, faut que nous prenions en main. D'abord, pour nous prendre la société en main. Et faut que nous garantissions une bonne justice pour nous garantir d'abord une bonne société. Et je pense que je ne dis pas, ça va passer dans la prison, ça va passer dans la société, ça va passer dans l'école, dans l'université. Il est concerné nous-mêmes comme avocats. On nous parle de droit et société. Comment est-ce que la justice là? Quelle image li gagne aujourd'hui dans le pays, dans la société? C'est malheureux que je vais parler, j'aime parler là, comme avocat qui a exercé la profession d'avocat en Haïti aujourd'hui. Ça me bral dit, il n'y a pas un secret pour personne. Nous autres avocats, nous au chômage, il y a de cela 3 ans. C'est vrai. Depuis l'année fiscale, l'année judiciaire, je dirais 2018-2019, passé dans 2019-2020, et mais nous en dans l'autre chômage là, aujourd'hui, 2020-2021. Yeah. Qui ça qui a la base de chômage ça? C'est tantôt grève greffier. Tantôt grève ou bien arrêt de travail des juges, des magistrats assis, tantôt arrêt de travail des magistrats debout. Cependant, à chaque grève ou arrêt de travail, ça, yo, nous connaît que le système n'a bloqué. Très bien. Et si le système n'a bloqué, avocat n'a chômage. Maintenant, est-ce que nous autres avocats, nous capables à la question 1, nan konsekans lan ou bien est-ce que nous devons aller nan koz yo? Pense que belle approche. Comme homme de droit, comme moun kap suiv et actualité et nan système pa nou an, mwen dwe gen la probité intellectuelle pour me dire que jodi a à chaque fois que yon groupe greffier di yon entre nan grève, yo entre dans grève parce que yo insatisfait. À chaque fois que un groupe magistrat assis dit yo prend arrêt de travail, yo entre parce que yo insatisfait. Magistrat debout, même gens. Maintenant côté problème nan yé, on aller là. On aller là dans interrogation ça. Problème nan li pas l'autre côté. C'est parce que jodi a nous gon l'état qui faible. Et c'est ça qui fait, nous dit tout à l'heure, nous autres avocats nous caractériser par notre indépendance. Là, c'est pas c'est avocat qui parle. C'est M. Ted Roubianès qui parle comme avocat. C'est parce que nous avons l'État qui fait, on l'État qui n'a jamais prendre responsabilité, on l'État qui pas soucieux de petit li, qui fait jodi à greffier qui a plein pour mauvais traitement. Qui fait que yon est qui dit jodi à lycée commissaire gouvernement pour me dire substitut commissaire gouvernement. On est capable de joindre à terre à Bolaouia, yo tuer le second son poule. Parce que l'État n'a pas comprendre que yon est qui se substitue commissaire gouvernement, son on est capable de traiter un paquet de dossiers sensibles, son on est de manière quotidienne qui a fait face avec le banditisme, donc son est qui t'a doué sous haute protection, même avec toute l'autre grosse autorité. Yo. Mais ce n'est pas ça l'État nous en comprenne. L'État nous en fait en l'autre façon. C'est ça qui fait, substitue nous, yo, magistrat debout en. Nous, magistrat assis, nous, c'est deux magistrats qui laguent, qui livrent à eux-mêmes. On juge aujourd'hui à qui juge d'instruction. On a prouvé que c'est des nègres qui ont roulé, on vire à 4 qui pas même vite les monter, voir pour le t'atteindre. Aujourd'hui, même si pas teinte. Ils ont vire à 4. Donc, la passe dans la rue là, n'importe qui nègre qui a besoin, qui a une incompréhension par rapport à elle, avant de croire le temps qu'on ravette devant pour les pays, fait ça, ils ont besoin de faire ça, ma belle là. Donc, est-ce que vous n'avez pas le droit yo même pour faire arrêt de travail là? Moi, je dis oui, vous avez le droit pour faire, en dépit du fait que arrêt de travail, ça a causé nous autres avocats de graves préjudices. Maintenant, nous avons l'autre considération pour nous faire, M. Djelin.
Là, m'a parlé de magistrat qui vient travailler. Mais gon l'autre secret en dans système là. Il y a des nèg qui a fait arrêt de travail là, mais c'est des nèg qui étaient toujours dans arrêt de travail. Même les bagarres là, t'es bon qui pas de gens viennent travailler. On pas parler de catégorie nèg nèg ça yo. Pour moi-même, catégorie magistrat ça yo, son catégorie yo t'a dû retirer dans système là. Purement et simplement parce que ou pas capable à toucher pour un travail qu'on pas fait. Ou qu'on ait des juges qui viennent travail aujourd'hui à qui viennent dans tribunal là à midi comme juge d'instruction qui quitte à 2h. Donc nèg ça ou kan arrêt de travail ou pas kan arrêt de travail parce que son l'argent ou manger pour grand merci. N'a parlé de magistrat qui respecte tête yo, de magistrat qui comprend ça ça veut dire magistrat, de magistrat qui vient travailler dans le et décret 22 août 95 ans dit pour venir travailler là pour prendre siège dans le ça pour finir dans l'heure prévoir au finir et puis qui en dépit de tout sacrifice ça yo pas recevoir son tard ou recevoir comme compensation à travail ou donc nèg ça yo moi dit oui yo mérité faire des arrêts de travail pendant que moi dit que le ministère de la justice le conseil supérieur du pouvoir judiciaire doit veiller à ce que l'on nèg pas venir travailler tout pour prendre sanction contre lui. Et maître et Ernest, moi qui t'ai abondé longuement, c'est parce que je pense que le problème est touché à les concerne tout le monde. Mais parallèlement à tout ce que je dis là, je n'ai pas besoin de répéter, il y a une soif de justice en dans la société. Et il y a une réalité en dans la prison. Il y a tout, il y a une situation de banditisme. Bientôt, il y a une insécurité grandissante dans le pays. Nous ne pouvons pas pointer personne du doigt. Cependant, nous avons un bagage pour nous cerner comme réalité. C'est que la justice, là, elle doit arriver sur tout le monde. Et tout le monde qui a soif de justice, c'est pour être capable de joindre justice. Comme on voulait, je vous dis là, pour nous à plaigner pour justice. Or, justice, ça n'a pas lié, c'est lié pour lever cette nation. Maître, m'invite au dire deux mots sur question ça. Question prison, comment prisonnier, le gain dysfonctionnement système dans comme ça, prisonnier qui au même en situation difficile déjà, yo victime ou même avocat et qui au chômage, moi comprendre ça. Mais société à tout lui-même, lui a besoin de justice. Effectivement, cette question de justice, c'est une question essentielle et importante. Est-ce que justice là arrive sur tout le monde? Nous pas bay tête, nous menti. Justice là pas arrive sur tout le monde. Et là, faut me gain le courage pour me virer tête moi directement vers juridiction PAM qui c'est juridiction quoi des bouquets. Et son lutte acharnée que nous engager nous pour nous mener dans niveau conseil de l'ordre là parce que justice là tant qu'on n'ont pas qu'être notre juridiction mais m'a parlé de quoi des bouquets lit son justice au plus offrant sans nous pas blesser n'en déplaise à certains magistrats de caractère que nous gagner dans niveau juridiction quoi des bouquets. Mais nous charger marchand de justice tout. Et c'est ça pour nous combattre, parce que c'est ça qui vient mener à banditisme. Là. C'est lui qui vient mener à vengeance privée. Là. C'est parce que lorsque Negla, lui victime de Pierre, lui vient porter plainte dans le parquet, le fait que lui sont malheureux qui paguent comme, Pierre gen comme et puis c'est Pierre qui gen raison. Eh bien, le yo vin fait analyse ça, yo vin ouais, le yo vin la justice. C'est moun ki gen comme qui passe, eh bien nèg la dans pays, soit la le kay avocat mon ou bien la le li prend zam ni tankou tout moun a prend zam yo là parce que c'est bagay ki moins cher là. Si on moun ta bien comprendre ni là à terre là, dans société nous, li prend zam ni li bay tête ni justice. Maintenant autorité yo kap victime des fois de banditisme, est-ce que yo pas ta loué poser question sous est-ce que c'est pas mode de fonctionnement certain magistrat qui vinn ba nous ça n'a joine là jodi a sûr que c'est ça qui ba nous parce que
si lorsque n'importe qui moun te vin devant un commissaire gouvernement, devant un juge d'instruction, quel que soit rang social, quel que soit capacité économique que te gagne, dans la mesure où, après analyse minutieuse de magistrat, li wè que justice là, c'est pour l'ilvigné, li te bal justice, nous tap diminué de manière considérable, eh bien la vengeance privée. Nous tap diminué banditisme que nous avons fait face avec li jodi a dans société a. Dans question prison, moi me réponds rapide. C'est grève yo qui ba nous la détention ou bien l'augmentation, je dirais même. Surpopulation carcérale. Ou bien surpopulation carcérale. Ouais. C'est grève qui ba nous. Maintenant, je suis d'accord, c'est grève qui ba nous, mais ce n'est pas seulement grève qui ba nous. Parce que moi-même, je suis victime déjà plusieurs fois. Là, ça n'a pas de grève. Ou imaginons que moi, comme avocat, moi, j'ai un client qui est condamné dans le tribunal criminel Port-au-Prince à perpétuité. Je suis pas avocat dans le moment, c'est ton autre avocat qui était avocat. Avocat, il était gagné dans le moment, fait recours par devant la cour de cassation. La cour, après analyse du dossier, était où était gagné un vice de forme. Li rend un arrêt, il casser décision Port-au-Prince, il voyait moun nan juger quoi des bouquins et c'est dans le moment ça m'tabra l'avocat. Le moun nan rivé quoi des bouquins en mars 2019. Gon substitut commissaire, ça m'a pas besoin de faire personnalité. Li menel juge, puisque c'est li qui doit menel juge. L'homme rivé tribunal là, est-ce qu'on connaît, M. Gélin, ancien commissaire gouvernement, substitut ça, c'est même lui même qui mené accusé à tribunal là, c'est li qui pral dit juge là comme ça, li mandel en suspension d'audience parce que dossier le poko complet. Oh oh. Bal le temps pour l'al monter dossier. Et qui est-ce qui mène accusé à juger? Lui-même qui mène. C'est lui-même qui parti pour suivante. Lui-même qui mène. Lui-même qui parti pour suivante. Est-ce que l'accusé a terminé d'être tribunal? Non. Donc ça, moi pense que c'est de négligence. Si tu as effectivement, ça ne relève inspection judiciaire là, comme ça, je dis, pour moi-même, il existait de non. Moi pensais que Jean de Bagay ça pas ta doué à répéter parce que on est qui c'est magistrat ou ta supposé gain probité intellectuelle. M'pa citer non moun. L'on prend accusé ou mener devant tribunal ou gain de demande ou produit compte tête tout. Non compte tête tout parce que ça va gagner aucun logique, aucun sens là-dedans. Ou produit compte tête tout. Mettre là, m'pense que ou a touché du doigt quelques problèmes là, mais moi m'gagne des questions qui a venu en boucle parce que ou connaît m'a parlé avec une autorité et qui c'est secrétaire de l'ordre, m'a parlé au monde qui dans système non. Maître, comment situation volontaire ailler dans juridiction quoi des bouquets. Je me connais, je me dis en créole, puis je dis la gueule sans filtre, mais je me dis en créole, gagné un problème dans la juridiction quoi des bouquets qui c'est monde qui achetait pas capable de rester en possession de terre, gagné un paquet de faussaires de grande acquaintance et qui ont même gagné tous les moyens et tous les accompagnements nécessaires pour déposséder de terre. Est-ce que ou même comme avocat d'abord, comme secrétaire de l'ordre, est-ce que vous touchez de question ça? Oui, nous touchons de question ça. Nous t'ai touché de lit comme avocat parce que nous avons plusieurs clients dans la juridiction. Hein? M'a parlé de toute juridiction, hein? Tantôt tabac, tantôt quoi des bouquets, tantôt santo qui au même en pile fois moun yo t'es en possession paisible de propriété depuis X temps et puis jodi a et c'est la grande mode. C'est moun ki gen pi gros zam nan qui monte sous terre. Là ça ou même avocat qui constitué pour moun nan. Si ou rete seulement à faire procédure dans tribunal, mon cher, ou risque permettre que client là perdu propriété a. M'pral di pour qui ça? Parce que question m'a dit j'aime Jean avoir volé terre. Son question profonde. Elle gagne pile gros chef là-dedans.
gros tonton chef. Parce que nèg kap volé terre jodi a. Ça son gros bagab di la. Nèg kap volé terre jodi a. Li gen avocat nan kan. Li gen commissaire nan kan. Li gen juge d'instruction nan kan. Li gen notaire nan kan. Li gen notaire nan kan. Li gen apporteur et actuellement li même gen des hommes politiques. Nan kan pour capable et tout nèg sa yo c'est de nèg en pile fois nèg ka volé té a fait au cadeau beau sauté et puis en façon pour le nèg ka volé té a dans situation difficile pour yo même yo ka fait intervention yo soit sur le plan politique par personne interposée ou bien par personne interposée. Moi penser ça c'est une conscience collective que nous devons prendre parce que qui j'ai avocat lui même lui contribue dans ça ou qu'on est nèg qui sans conscience professionnelle li connaît pertinemment que dossier l'a traité a moun nan qui dit c'est mettre propriété à li pas mettre li mais eh bien c'est avocat ça oui qui pral réfléchir stratégie contradictoire OK t'a dit je dirais stratégie dilatoire ouais. Pour permettre que nèg terre li même toujours été paisiblement sous propriété a. Je n'ai pas besoin de citer là parce que il y a des gens qui ne pas connaître et puis qui prend le temps de samedi, qui prend le fait. Mais il y a des actes en avocat posé dans le cadre d'un dossier pour un nègre qui connaît pertinemment, qui ne met pas terre, ou qui vole que nègre qui vole terre. Ça, c'est Maître Ted Roubéonès qui dit parce que il y a la juridiction, il contre la personne. Ou qui vole que nègre qui prend terre mounan parce que c'est vous-même qui aidez techniquement, même dit professionnellement. Techniquement. Techniquement, ou edel prend tes moun. Et laisse arriver, il y a de grandes conséquences. Parce que ça a provoqué et ça m'a brûlé des effervescences dans la société. Parce que, et j'en suis dit à lui là, Neglali, même les victimes, il perd du cobli, il perd du terrain, il perd du construction, il a commencé. Eh bien, il n'a pas pris tes gâteaux comme ça. Souvent, il a envie de passer à l'action. Malheureusement, passer à l'action n'est pas bon parce que. Et gain la justice pour ça. Mais la justice, là, autant de crier, là, mon sens, c'est sans recours. Donc, mettre son gros sujet, nous aborder là, journée, jeudi, hein, parce que je ne vais pas te aller pour ne pas faire brèche ça, pour ne pas ouvrir brèche là, pour me permettre que vous-même vous parlez. Et malgré que vous parlez avec en pile et virilité, ou parler avec beaucoup de fermeté, mais ou prend pile recul parce que pas fait personnalité. Et bien ensuite, Gelbaga ou dit de manière modérée, me comprendre ça. Maître Konyala, ou c'est secrétaire de l'ordre, Baoua ou son avocat, nan Baou Kwa de Bouquet, Baou yon minute en plus pour adresser avec Mambaou yo et avec tout avocat yo, tout le monde qui est dans le système. Merci. Avant de finir. Maître Jelen. Nous avons l'occasion ça pour nous adresser nous à la communauté des avocats du barreau de la Croix des Bouquets pour nous dire que nous remercions de ce que vous avez compris la nécessité pour vous mettre en place un conseil qui pour enfin mettre fin à la crise que le barreau a connu. Nous conscients tout que vous avez des services que vous avez besoin actuellement que vous pouvez pas joindre. Nous avons demandé à la communauté avocat Kwa de Bouquet pour qu'ils prennent patience pour conseiller là parce que à force que tu as pile temps, bagaille tu as fait en désordre, nous venons dans cette situation pour nous prendre un petit temps pour nous mettre tout bagaille dans l'ordre en façon pour nous capables définitivement démarrer et que l'administration soit capable d'une administration correcte qui chita sous la loi. Nous avons salué tout et autorité qui dans juridiction Kwa de Bouquet et nous sommes certains que l'ita pi bon si nous continuer toujours gain de très bonne collaboration parce que ça c'est lui même qui a fait force juridiction hein? C'est lui même qui a fait force nous et si nous conscients de certaines difficultés que juridiction a connaît eh bien nous sommes certains n'a capable ensemble éradiquer au fur et à mesure dans juridiction Kwa de Bouquet. Merci, Maître Ted Roubéonès, secrétaire de l'ordre de la Croix des Bouquets,
avec lui nous t'avons traité des questions et pointues, je vous dis là, qui ont à voir avec un fonctionnement baroua et la profession d'avocat, avec la réalité et de la justice de la juridiction de la Cour des bouquets. Merci à tout le monde. C'était avec vous, Maître Lemoine, dans l'espace en deux doigts sur Téléguinée. À très bientôt. Au revoir. We'll be right back.